Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va parler police de proximité. Alors vous savez c'est euh, une sorte de slogan la police de proximité, d'intention, euh, et elle a eu plusieurs euh, manières de, de fonctionner à travers les, les âges. Mais ce qui est sûr c'est que depuis Nicolas Sarkozy il n'y a plus de police de proximité et que tout le monde déplore le fait qu'il n'y ait plus de police de proximité et une partie des policiers eux-mêmes. J'en veux pour preuve le nouveau euh, secrétaire général du, du syndicat euh, des, des commissaires de la police euh, nationale euh, qui euh, lui-même regrette que nous ne soyons plus que dans une police dite de projection. donc qui, vous savez on appelle le 17, les gens arrivent euh, des boules et repartent euh, aussitôt euh, et qu'on avait besoin de retrouver euh, la proximité. Emmanuel Macron lui-même, au début euh, de, du quinquennat euh, précédent, avec Gérard Collomb, avait mis en place la police de sécurité du quotidien, tout en disant que ce ne serait pas la police de proximité réputée pour être laxiste. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy avait dit euh, de la police de proximité en la démantelant qu'elle n'était pas là pour jouer au foot ou au rugby, en l'occurrence, euh, avec les jeunes des quartiers. Et pourtant, et pourtant, quand la police est en capacité de jouer au foot ou au rugby avec les jeunes dans les quartiers, eh ben ça veut dire qu'il y a moins de tensions, ça veut dire que ça va mieux, ça veut dire que les gens se parlent, ça veut dire que c'est pas la, la pagaille et le bazar. C'est peut-être ça qu'on veut, que ce soit pas la pagaille et le bazar, qu'il y ait moins de troubles à l'ordre public, que les gens vivent euh, ensemble, qu'il y ait moins d'incivilité. Donc c'est peut-être ça l'objectif qu'il faut poursuivre. Bon, l'objectif de la police de proximité, ça va pas être de faire des matchs de foot et de rugby partout. Hein, c'est pas que ça. Euh, évidemment, c'est une organisation, une nouvelle organisation, une nouvelle doctrine de ce qu'on attend des policières et des policiers. Le programme du nouveau Front populaire donne cette intention, sans pour autant donner un cadre trop précis, puisqu'évidemment vous avez vu le programme s'est fait en quelques heures. Mais nous, à la France Insoumise, nous avions le, le livret Sûreté, Sécurité, qui va bien plus en, en profondeur sur, sur le sujet. Et on propose une version de la police de proximité qui s'inspire qui de différentes expériences. À la fois les expériences du passé, celle de Pierre Jox, notamment, qui avait mis en place pour, le, pour la première fois cette police de proximité avec l'ilotage. Qu'est-ce que c'est l'ilotage Ça veut dire qu'on va... Affecter une zone donnée, une population, une zone géographique précise à un policier et il ira tout le temps à cet endroit. Un groupe de policiers en l'occurrence. De sorte à ce que les policières et les policiers connaissent les gens du quartier dans lequel ils interviennent et, c'est très important, que les gens du quartier connaissent les policières et les policiers qui sont chez eux améliorer ces relations de sorte à ce qu'ils connaissent à la fois les gens, les familles, euh, les associations, les commerçants et les commerçants, et qu'ils euh, puissent prévenir un certain nombre de, de situations qui pourraient euh, dégénérer, de sorte à ce que euh, les gardiens de la paix, euh, ben, ce soit ça leur travail, quoi, garder la paix, pas juste de faire de la répression, d'arriver quand c'est trop tard quand il y a une infraction, mais d'être là euh, en, 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 en anticipation et que quand une infraction a lieu, ils puissent à la fois être plus efficaces dans leur action policière et, et parfois régler ça sans pour autant aller sur une procédure judiciaire parce qu'ils connaissent euh, qu l'environnement familial de celui qui a, qui a fait une connerie pour l'en le, 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 dissuader. Cette police de proximité a la vocation à être le moins armée possible. Et pourquoi je dis ça Je prends exemple sur les les bobbies, vous savez, les, les policiers anglais qui sont sans armes à feu. Ils ont quand même des des armes, je crois, le, 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 le la petite matraque. Euh, et et ça se passe pas si mal que ça. Pour... Et pourtant en Angleterre, il y a des quartiers où c'est très très chaud. Hein, c'est pas le sujet. Hein. Euh, sauf que le, le socle de la police, ce sont les bobbies. Et ça fonctionne très bien, et la relation police-population est bien meilleure en Angleterre que, que chez nous. Et quand ça dégénère, parce que je vois déjà les arguments, « Oui, mais c'est du laxisme Et qu'est-ce qu'on va faire sans armes, etc. Et contre les trafics de stupéfiants Et ceux qui tirent des balles à la Kalachnikov !» Non, mais de toute façon... Euh, le policier là euh, dans sa voiture du 17 en police secours quand il y a des tirs à la Kalachnikov, c'est pas lui qui intervient hein. c'est éventuellement la BAC, les brigades anticriminalités qui sont un peu plus lourdement ar armées puis surtout si ça arrive c'est les antennes du RAID qui prennent le relais euh, qui eux sont formés euh, à ça euh, et formés à gérer, à gérer ça et surtout dans le cadre d'une enquête judiciaire avec les magistrats qui contrôlent tout ça, bref dans le cadre d'un état de droit donc euh, ce ne sera jamais le policier de proximité qui va démanteler un trafic de stupéfiants, par contre qui est la tranquillité publique, euh, de, de prévenir les choses euh, et puis de, de faire du renseignement de bonne qualité pour que ensuite la police euh, judiciaire, si elle a besoin d'intervenir, intervienne dans de bonnes conditions. Voilà à quoi devrait ressembler et devrait pouvoir servir la police de proximité. Dans ce cadre-là, il faut donner un signal. La dissolution de la Bravem, c'est une évidence. Voilà, on, arrêtez, on arrête de taper dans le tas parce que les relations police-population avec la Bravem, c'est pas possible, évidemment. Mais la question se pose aussi sur le, le fonctionnement euh, des brigades anticriminalité qui sont l'archétype de la police de projection mise en œuvre par Nicolas Sarkozy. On fait les gros bras, on y va, on débarque et qui donne. Euh, bah le film Back North, c'est-à-dire des gens qu'on qu n'arrive plus à contrôler, y compris à l'intérieur de la police, qui ont qu on des pouvoirs disproportionnés, qui se couvrent les uns les autres euh, et qui finissent par eux-mêmes commettre des, des, des infractions. Euh, donc je pense qu'il faut en finir avec ce type de, de brigade pour avoir davantage de police judiciaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ça c'est un aspect, et surtout euh, davantage de, de police de proximité attachée à un territoire. J'ajoute, pour terminer, que la question se pose de, de, des interférences, ou en tout cas de la concurrence en réalité, avec les polices municipales. D'aucuns diraient que la police de proximité, c'est la police municipale. Et pourtant, les policiers municipaux revendiquent régulièrement et un certain nombre de maires en disant oui, mais attendez, nos policiers municipaux, ils peuvent pas faire ce que font les policiers nationaux. Normal, ils sont pas nationaux. Euh, et notamment en termes de prérogatives, ils ne peuvent pas intervenir dans tel contexte. Les liens que la police nationale sont pas si efficaces, et évidents. Quand il y a besoin qu'ils interviennent, il n'y a personne. On nous dit, bah vous avez votre police municipale, donc débrouillez-vous avec vos policiers municipaux. Voilà ce que les retours qu'on a. Donc, on a proposé. Provision qui est sur la table. De, et ça ne peut pas se faire en un jour. Hein, je vous arrête tout de suite, il va falloir prendre un petit peu de temps. Euh, mais de mettre dans un seul et unique même corps de police, rattacher la police municipale, l'intégrer à la police nationale et redéployer les effectifs de police nationale pour les avoir de proximité et qui puissent être sous la double autorité du préfet et du maire. Du maire représentant de la démocratie locale et des, des, des besoins locaux de sécurité, des demandes des habitantes et des habitants. Avec les, les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ces fameux comités qui normalement sont censés à la fois sur des aspects euh, techniques mettre euh, les représentants des bailleurs sociaux, les représentants des associations, les éducateurs de rue et les clubs de prévention, quand ils existent encore, sinon faudra les recrés pour faire de la vraie prévention, euh, etc. Tout, tout ce beau monde autour de la table, le procureur de la République qui lui est en charge de, et ses représentant, en charge de la politique pénale, donc tout ce beau monde on le met autour de la table. Et on pourrait, et c'est ce qu'on propose dans le programme, qu'au moins une fois par an, on fasse une grande réunion avec toutes les habitantes et les habitants, où vous avez l'équipe municipale, les policiers affectés à la zone, donc les policiers de proximité, euh, les policiers nationaux de, de ce fait, et que les gens discutent et puissent euh, engager, dire « bah voilà, on a besoin de plus de ça, là vous intervenez là alors que ça sert à rien, etc. » Qu'il y ait un vrai dialogue et qu'on retrouve une police qui soit un véritable service public. Et non pas au service de tel gouvernement ou euh, ou de telle telle politique. Voilà, on ne veut pas de milice privée, on veut une police de proximité républicaine qui respecte la déontologie et qui soit également répartie sur le territoire. Parce que c'est ça qui est bien avec notre proposition, c'est que en réalité on pourra mettre le nombre de policiers euh, correct par habitant, en fonction aussi de la criminologie, et tout un tas de, de critères, mais que ce soit plus objectif. Parce que là, vous avez des villes où il y a plein de policiers municipaux, plein de caméras, plein de trucs, pas de machin, parce qu'ils ont de l'argent à mettre là-dedans. Et puis d'autres qui n'ont pas d'argent, pas de policiers euh, municipaux, mais ils n'ont pas plus de police nationale. Enfin bref, c'est une répartition des moyens qui est complètement inégalitaire. Donc on va aussi, au passage, régler cette question de répartition des moyens. Et petite cerise sur le gâteau pour tous ceux qui pensent aux finances publiques locales ça coûtera moins cher aux communes puisque c'est l'état qui prendra inter intégralement à sa charge et donc les communes retrouveront des marges de manœuvre financières parce que ça coûte cher hein, tout ça euh, pour le mettre euh, sur euh, je sais pas moi la, la cantine euh, gratuite euh, pour les pour les gamins à l'école hein bonne idée non allez voilà ça sera tout aujourd'hui pour la police de proximité et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo